Salut les cinéphiles de la toile, bienvenue dans cette nouvelle émission Déshabiller des films. Le principe est simple, on va parler d'un film, on va le décortiquer avec un invité. Et aujourd'hui, je reçois mon premier invité, Décade du Cinéma des Potes. Salut Décade. Salut. Ça va? Bah ça va bien. Eh bah cool, c'est quoi aussi... le Cinéma des Potes? Alors c'est une chaîne YouTube donc de chronique cinéma où on chronique les films à chaud en fait. On se filme vraiment à la sortie des salles à plusieurs et on croise nos avis. Voilà, c'est assez rigolo, je vous conseille d'y aller, hein. c'est formidable. Très bien, et du coup qu'est-ce que tu fais autre que le Cinéma des Potes? Alors autre que le Cinéma des Potes, je suis aussi auteur-réalisateur sur la série Celle Sam, donc coïncidence incroyable. Incroyable. Voilà. Voilà, et autrement je suis auteur-réalisateur en général et aussi cadreur, monteur, enfin donc globalement dans l'image, dans l'audiovisuel quoi. T'as un petit peu de touche à tout dans l'audiovisuel voilà. Quoi. Voilà. D'accord, cool. Alors et bah, du coup on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet avec Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Alors juste je précise aussi, on va pas mal spoiler hein, parce que, ah oui, à mort. Parce que de toute façon beaucoup de gens ont vu Star Wars 8 maintenant. Donc il est sorti il y a déjà un an maintenant en décembre 2017. Je n'ai pas aimé ce film et je vais expliquer pourquoi évidemment, mais je voulais savoir toi qu'est-ce que t'en as pensé. Alors attention, moi j'aime ce film. Ah. Et je trouve que c'est un très bon Star Wars globalement. Ah. C'est un bon Star Wars pour toi? Oui. Alors voilà. Moi pour moi par exemple c'est le un des pires Star Wars qui n'ait jamais été fait. Moi, en fait, j'ai bien aimé Star Wars 7, le Réveil de la Force, que j'avais trouvé plutôt intéressant, malgré des lacunes scénaristiques, il faut l'avouer. Mais j'ai trouvé que c'était quelque chose qui relançait quand même, malgré tout, Star Wars et la franchise Star Wars, qui était quand même tombée un peu en perdition avec George Lucas et sa prélogie, quand même. Au moins, bah, au moins ça, tu l'avoues. Ah bah oui, bien sûr. Non, parce que là, voilà. Hein, qu'on fasse oui le pire film machin, mais même si George Lucas a essayé quelque chose, il l'a mal fait. Alors là on reprend à Star Wars 8, donc réalisé par Rian Johnson, et là on assiste à un film qui clairement fait un peu table rase de tout ce qui a été fait avant, de ce qu'a essayé de faire J.J. Abrams. En fait, moi j'ai l'impression que ouais, Rian Johnson il a voulu faire son petit malin et faire alors vous croyez que je vais faire ça, et en fait non, je vais faire comme ça, tu vois. Et c'est comme ça tout le temps, c'est des rebondissements, c'est des, l'intrigue elle est plate quoi. C'est quoi l'intrigue en fait de Star Wars 8? Alors il y a deux remarques là déjà. Ouais. Parce que toi tu dis oui il détruit tout ce qu'il a mis en place J.J. Abrams. Mais qu'est-ce qu'il a mis en place J.J. Abrams? Je dis pas qu'il a rien mis en place, mais il a mis des trucs en place qui étaient casse-gueule, et surtout que lui-même ne savait pas ce qu'il faisait en les mettant en place, comme toujours avec J.J. Abrams. C'est qu'il met des trucs en place et il dit bah après vous vous démerdez. Voilà, toi il met un truc machin. Sûr, oui. Et du coup il s'est dit mais merde, enfin, qu'est-ce qu'il a branlé quoi. En plus, il y avait plein de choses qui étaient effectivement des relatives mauvaises idées, enfin, des trucs qui étaient trop similaires à la trilogie originale. Et il s'est dit, bah, il faut détruire ça, il faut faire quelque chose d'absolument nouveau. Et pour faire quelque chose de nouveau, il faut absolument détruire ce truc qui est mis en place. Alors, au risque de faire un truc un peu incohérent avec l'épisode d'avant, mais au moins, ça donne une espèce de dynamisme, ça fait un truc genre, non, mais ce truc, en fait... Qui part dans une très mauvaise direction, on va le détruire, comme ça maintenant on peut faire un peu plus ce qu'on veut. Star Wars 8 en gros ça montre vraiment c'est une débâcle quoi, c'est vraiment c'est les soi-disant donc les dernières heures de la rébellion, si elle n'arrive pas à s'en sortir quoi, c'est une phase très noire pour la rébellion, et en fait ça montre bah, comment ils vont essayer de survivre en fait ce moment critique pour eux quoi. Voilà, globalement le film raconte ça quoi. C'est assez similaire dans ce sens là à l'Empire Contre-Attaque, même si dans l'Empire Contre-Attaque, la rébellion n'est pas un niveau aussi désespéré, je pense. Moi, je dirais une chose. J'ai revu le film hier soir et en fait, clairement, je me suis dit, c'est pas si mauvais que ça, jusqu'à peu près à 2 heures de film. Et après, à la dernière demi-heure, pour moi, je me suis dit, c'est peut-être ce qui est plus intéressant visuellement, mais au niveau scénaristique, c'est une catastrophe, c'est n'importe quoi. Présente-moi des personnages qui ont suffisamment de consistance, auxquels je vais m'intéresser, auxquels je vais pouvoir m'identifier. Clairement, moi aussi, mon gros problème avec ce Star Wars 8, c'est qu'il rend les personnages ultra cons. Ah, les personnages sont cons. Je veux dire, Rose et Finn, leur mission, c'est d'aller sur un casino, entrer en contact avec un hacker. Ah, ils y arrivent pas. Ok, ils sont envoyés en prison. Ok, très bien. Bon, mission, c'est compliqué. Ils tombent sur un mec qui est en prison qui leur dit « Ah, mais moi, je peux faire la même chose, si vous voulez. » D'accord. Ok, bah viens avec nous. Que les gens ont tendance à oublier, toi y compris, ont tendance à oublier que Star Wars, le style de narration de Star Wars, c'est que c'est épique, que c'est du sérial,
qu'il faut un souffle épique. Ouais. C'est-à-dire que ça implique d'avoir donc des péripéties. Ouais. On passe à plein de scènes où c'est genre, merde, on est tombé dans un trou, comment on va faire pour sortir du trou? Ah, il y a un machin qui nous aide. Non, en fait, ça a échoué, machin. Ça a toujours été comme ça. Arrêtez de faire comme si, oh, le 8, ils font un truc, ça échoue. What the fuck? Ça arrive tout le temps, putain, dans les Star Wars. Ils font un truc et c'est des pieds nickelés dans les Star Wars. Ça a toujours été des pieds nickelés. Ah, mais à ce point-là, ils sont vraiment teubés, quoi. Attends, ils arrivent, dans l'épisode 4, ils arrivent, ils sont dans l'étoile noire. Déjà, ils ont pas fait exprès d'être dedans. Ils ont, merde, on est dans l'étoile noire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se déguisent, ils se cachent dans la cale. Genre, l'Empire, je pense même pas à chercher dans la putain de cale du vaisseau. Et après, ils sont là en mode, on se déguise. Eh, venez par là! Tac, il les assomme. C'est des trucs nazes d'aventure à la con, mais on l'accepte. Voilà, et ça, c'est les meilleurs Star Wars, tu vois, genre les Star Wars incroyables. Il y a des scènes comme ça dedans. Et moi, je les ai acceptées. Je trouve ça génial, Star Wars, mais j'ai accepté ça. Les fans de Star Wars ont une hypocrisie totale avec ça. C'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a des conneries pareilles dans les Star Wars, mais ils les ont acceptées comme telles. Et dès qu'il y a un truc exactement pareil, exactement pareil dans les nouveaux, ils font... Oh, c'est quoi ce bordel? Ça a jamais été ça, Star Wars. Ça a toujours été que des combats de ouf, que des je suis ton père, que des trucs, des révélations. Non! Il y a des péripéties inutiles qui sont là pour donner un côté bondissant à l'intrigue. Benicio del Toro. Ouais. Je vais juste développer là-dessus. Vas-y, parce que fais-moi rêver. Benicio del Toro. Parce que ce personnage, je le fais absolument pas rêver. Benicio del Toro, déjà, il reprend exactement le principe d'Han Solo dans épisode 4. C'est-à-dire, c'est un mec qui n'a ni choisi l'Empire, ni choisi, la rébellion, qui est une espèce de mec entre deux, fiable, pas fiable, talentueux, qui sait pas trop. Pour moi, son interprétation, alors ce truc de « Oh, il bégaye, what the fuck, il bégaye !» Mais pardon, d'amener du caractère à son jeu, d'amener une singularité. Mais c'est hyper mal amené. Pourquoi? Mais c'est pourri, enfin, je veux dire, Benicio del Toro, c'est attends, il faut arrêter avec ce terme mal amené, parce mais, que je veux dire, ça va me marcher pour tout. Benicio del Toro, c'est un super comédien, enfin, ouais. On l'a vu dans des rôles excellents. Pourquoi il est pas bon, là? Bah là, dedans, je sais pas, Je ne sais pas, mal amené. Mais non, mais ça marche pas. Argument. Ça ne marche pas. Désolé. Je veux dire, ça ne marche pas. Alors, je pense que ça vient peut-être de la direction d'acteur, ça vient peut-être de l'écriture de ce personnage qui, pour moi, est inconsistante. Pas assez de background. Il y a pas assez. Il y en a pas besoin. Han Solo, quand tu le rencontres, tu ne sais rien de lui. Et ce qui est intéressant avec Han Solo, c'est que c'est un mec justement qui est en mode, je vais vous aider, mais pour de la thune, machin, mais je suis pas forcément, voilà, l'Empire, j'aime pas trop, mais bon, tu sais, moi j'y crois pas. Oui, mais c'est ça, c'est que... Là, j'y crois pas. Qu'est-ce qui fait que je n'y crois pas, alors? Ben, c'est pas mon problème. Pour moi, chaque réplique de Benicio del Toro est mémorable. Chaque truc qu'il dit est mémorable parce qu'il a... Je m'en souviens pas. C'est un mec, justement, complètement gris, justement, qui est ni noir ni blanc, complètement gris. C'est tout l'intérêt du film, d'ailleurs. Ce que les fans ont un petit peu le mal à accepter, c'est un peu compliqué. Non, mais pas du tout. Évidemment, noir, blanc, c'est génial. Mais non, gris, oh là là, on sait pas trop. Déjà, on te sort un personnage où tu... strictement rien à battre, l'amiral Holdo, là, tu fais, dans ce cas-là, si on accepte aucun nouveau personnage, mais c'est pas ça, mais je veux dire, il y a une manière de présenter, tu sais très bien, il y a une manière de présenter un personnage. Là, ce personnage-là, il arrive comme ça, et tu fais, mais, attends, c'est qui? On en a jamais entendu parler. Il y a une hiérarchie, je veux dire, c'est la suivante, on l'a pas vu avant. Ouais, Insta, ouais. Quoi, bah ouais, mais je veux dire, quand tu présentes un personnage, il faut quand même qu'il y ait un truc, Mais il est présenté. Qu'est-ce qu'il y a besoin de plus? C'est la remplaçante, point. Bah, intéresse-moi avec ce personnage-là, parce que moi, je m'en fous, en fait. Alors, ce personnage, elle est intéressante. Déjà, elle est intéressante parce que justement, elle est présentée comme étant relativement antipathique dans le film, justement. Parce que Poe, il la découvre, il fait. D'ailleurs, c'est faux ce que tu dis, parce que très vite, il fait ah, c'est celle qui a fait la manœuvre, machin, chose, nanana. Donc, en gros, on nous la présente comme la remplaçante de Leia, quelqu'un qui est dans la droite lignée, donc. Quelqu'un dont Leia a confiance. Ouais. C'est un nouveau personnage, c'est comme Mott Mothma, qu'on a jamais vu, qui arrive et qui dit vous allez faire ça, la mission. C'est pareil. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire oh, je connais tous les personnages. Non, forcément, ils arrivent, il y en a, tu les découvres à ce moment-là. Donc là, c'est pareil, exactement pareil, mais c'est génial dans le Retour de Jedi, c'est pas bien là. On sait pas pourquoi. Mais ensuite, attends, elle est présentée comme quelqu'un d'antipathique, justement, pour justifier un peu justement ce que va faire Poe. C'est-à-dire que Poe, il est présenté comme une espèce de mec, juste une espèce de pilote de Top Gun, en gros, une espèce de mec un peu casse-cou, qui est fort pour tout faire péter, mais on dit, mais vous êtes pas très malin niveau stratégie quand même, vous abusez un peu, quoi. Et justement, le film
l'arc narratif de Poe, ça va être de montrer, mais si en fait ça peut être un leader, s'il se remet un peu en question, s'il réfléchit à la stratégie, c'est un mec qui va au bout de ses choix et qui tient vraiment à la rébellion, quoi. Et ça va aller tellement loin qu'il va pousser jusqu'à faire une mutinerie parce qu'il pense que ce que fait Holdo n'est pas dans l'intérêt de la rébellion et que lui il a un meilleur plan en tête, quoi. Donc il y a un truc intéressant, c'est qu'on la présente comme quelqu'un d'antipathique mais de pro et qui est totalement opposé à Poe en termes de philosophie, justement. Mmh. C'est l'opposé de Poe, et c'est plus ou moins une espèce d'ennemi au cœur de la rébellion pour, ouais, lui, ce qui n'est, encore une fois, pour moi, jamais arrivé dans les Star Wars, cette idée de mutinerie, de trucs dont on n'est pas d'accord sur le commandement, quoi. C'est, pour moi, c'était quelque chose de nouveau et de cool de voir les héros aller au bout de la mutinerie, aller au bout des choses, quoi. Mmh. Voilà. Donc même à la fin du film, elle a toute une nuance. Je te rappelle comment elle termine. Moi, je pense par exemple au personnage de Rose et de sa frangine. Alors, le personnage de la frangine de Rose, elle arrive comme ça, mais tu t'en bats les couilles. Mais c'est genre, elle arrive, elle fait je vais me sauver, je vais me sacrifier et tout. Je sais pas, non, c'est peut-être dans la manière de filmer, dans la manière d'amener tout ça. Je veux dire, c'est un truc qui émotionnellement doit impacter. Et là, on s'en contrefou. Elle arrive, t'as Rose qui fait c'est ma sœur et tout, elle s'est sacrifiée. Non, mais moi, ce que j'entends surtout des gens qui détestent le film, c'est c'est pas pareil, c'est nul parce que j'aime pas, parce que mais tu sais, j'ai pas dit si... ça. Non, mais c'est ce que tu viens de dire. Mais c'est non, genre, mais... tu me dis que c'est moi en gros, j'entends, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose, c'est un wedge. C'est mal exécuté. C'est un wedge, c'est un captain machin, c'est, ouais, tout ce qu'on voit dans l'épisode 4 s'en aller attaquer l'étoile noire et mourir, quoi. Voilà. Sauf que là, évidemment, comme il y a un lien en plus avec un personnage qu'on va suivre ensuite, donc on se focalise un petit peu plus dessus, c'est le minimum qu'on doit faire, tu vois. On se focalise un petit peu plus dessus sur son sacrifice, sur aussi l'idée même du symbole et tout. En plus, on développe un petit peu l'univers, c'est qu'on voit qu'il y a des religions, il y a des trucs, enfin, c'est intéressant. Et en plus, au lieu de juste montrer, moi je trouve ça cool, justement dans cette scène, plutôt que de juste montrer un bombardier, genre ils ont réussi, cool. D'avoir un truc un peu plus prenant où t'as quelqu'un qui est à l'intérieur du vaisseau, qui est en train de lutter, qui est en train de mourir à moitié, qui tombe, qui machin. Moi j'aime bien parce qu'on va un petit peu dans le détail, genre moi j'aimais bien genre le truc, elle rattrape la télécommande et tout. Et il y a un côté, je trouve, il y avait une beauté visuelle, esthétique, je suis désolé, dans la façon dont c'était filmé, c'était beau. Moi, pour moi, le plan où elle est allongée comme ça, avec le sol qui défile comme ça, machin, moi j'ai jamais vu ça dans un Star Wars, je trouve ça beau. Et ce truc de dire c'est nul, c'est pas Star Wars, c'est beau, je suis désolé, c'est beau. Moi je dis pas ça. C'est beau, ça te met plus d'émotion, plus d'emphase sur un personnage dont on aurait normalement rien à foutre. Et là on te dit, souciez-vous un petit peu de ce qu'elle fait, parce que regardez, c'est un rebelle qui se sacrifie pour la cause, parce que ça va être tout le thème du film, hein. Tu dis que le film part de rien, mais on parle de ça, et qu'en plus, qu'il y a un lien, clairement, avec un personnage qu'on va suivre ensuite, je vois ce qu'il te faut de plus. Moi, j'ai une phase, mais moi, ça me touche absolument pas, mais ça. Mais peut-être que le problème vient de toi. Mais je pense pas. Je pense que c'est juste dans l'exécution. Je ne sais pas à quoi ça tient. Peut-être au charisme des personnages. Enfin, pour moi, les Rose, ça marche pas. Enfin, je sais pas. Tu serais donc fermé à tout nouveau personnage, c'est ça? Non, mais pas du tout. Parce que par exemple, pour l'épisode 7, moi, j'ai trouvé que Finn était génial. J'ai adoré. Je me suis intéressé à ce personnage-là. Je me suis intéressé à Poe. Je me suis intéressé à Rey. Je me suis intéressé à Kyle Lorenz, qui sont des nouveaux personnages. Mais je sais pas, J.J. Abrams a réussi à me les présenter de telle manière que j'arrive à m'intéresser à eux. Là, clairement, on te balance un personnage A, un personnage B, un personnage C, tu t'en fous. On te montre les pilotes attaqués, on te montre un pilote, c'est le dernier bombardier, le dernier, donc c'est important, c'est un personnage lié à un autre personnage après, et c'est un truc lié au thème du film entier, c'est-à-dire que là, le sacrifice et le fait de sacrifier sa vie à la cause rebelle, et pourquoi on le fait. Mais ça va être tout le thème du film. Peut-être me le présenter autrement. Tu vois, là, on a des personnages secondaires, personnage secondaire, dès qu'il y a un nouveau, c'est lui, c'est qui, elle est moche. Enfin, Finn, au début, c'est un mec qui veut déserter, qu'on a toujours un peu rien à foutre de la rébellion, hein. On se rappelle dans le premier film, il s'était incrusté pour survivre. Tout ce qui l'intéresse, c'est Rey, parce qu'il est fou d'elle. Et très vite, cette rencontre avec Rose, qui n'est finalement qu'une technicienne, justement, qui est pas un personnage... Enfin, qui est un personnage héroïque, mais justement, qui est pas présenté comme un chef de guerre ou machin, qui est justement juste une petite technicienne qui a l'air de rien, mais qui, elle, est à fond dans la rébellion. À son contact, lui, change complètement, et il comprend en plus la cause. C'est-à-dire que toute la partie sur Canto Bight, machin, où ils vont sur la planète, tout le monde dit ça sert à rien, nanana, mais vous rigolez, c'est le cœur du film, on comprend à quoi sert la rébellion, pourquoi ils font ça. Il y a des choses à changer dans leur monde, il y a des choses à changer dans leur univers
pourquoi ils sont engagés dans ce monde. C'est évidemment, effectivement, c'est très politique. La scène dans le trône, justement, c'est une grosse scène qui a fait beaucoup parler, machin. La scène dans le trône, la salle rouge, là, machin. Oui, pas déjà, le trône. Non, mais voilà. La scène dans le trône avec les murs complètement rouges et tout, machin. Moi, je la trouve déjà esthétiquement très intéressante parce qu'elle tranche complètement avec tous les Star Wars. Et en même temps, on est toujours dans cette, dans cette esthétique Star Wars. C'est-à-dire qu'on reconnaît le design, on reconnaît le truc. Mais c'est nouveau. Moi, j'ai jamais vu ça dans un Star Wars. Je trouve ça beau. Vraiment beau, vraiment bien cadré, bien réalisé, classe. Voilà. Ce qui s'y passe en plus est intéressant. Alors après, ça c'est, tu vas me dire. Mais je trouve le truc fondamental de Snoke qui meurt comme ça au milieu du film, même pas, enfin, milieu fin. C'est à 2 heures de film presque. Voilà, bon, à 2 heures quand même. Mais voilà, qui meurt en tout cas au bout du deuxième film. Et s'ensuit une espèce de combat pour moi. Hyper cool, voilà, avec des nouveaux persos, des belles chorégraphies, avec deux personnages opposés qui combattent ensemble contre d'autres, que j'ai jamais vu dans un Star Wars encore une fois. Voilà, enfin, c'est des trucs nouveaux, frais, c'est le Star Wars que vous vouliez, bordel. Le truc, non. Non, parce que ce truc de tout le monde a fait dans le set, mais c'est des trucs qu'on a déjà vu, c'est nul. Ok, bah on va faire un truc nouveau. Mais non, pas comme ça, c'est trop nouveau, on sait pas, j'aime pas, c'est mal amené, tu vois, genre, c'est un moment, ouvrez un peu votre esprit, parce que vois pas ce qui cloche, par exemple, dans cette scène-là, qu'est-ce qui cloche dans cette scène-là, qui est pour moi génial. Je suis d'accord que la scène est intéressante, visuellement, dommage que ça se termine comme ça, pour la bonne et simple raison que, oui, J.J. Abrams nous présente un personnage de Snoke qui... voilà, on se dit, putain, suprême leader Snoke, c'est qui, machin putain, on a envie d'en savoir, en fait. Ouais. Peut-être que lui ne le savait pas, tu vois. Exactement. Mais en tout cas, là, c'est genre, bon, bah, en fait, on s'en fout, donc on le nique. Ah ouais, mais moi, spectateur aussi, moi, j'ai signé pour 3 films, en fait. J'ai pas signé juste pour un film de J.J. Abrams, un film de Rian Johnson, où, ok, de toute façon, j'en ai rien à foutre de ce qu'a fait mon prédécesseur, donc je le désingue. Mm-hmm. Et après, la suite, on va où? Donc c'est ça, moi, qui me dérange, en fait. Donc, en gros, t'aurais voulu la même trilogie? Non, j'aurais pas voulu la même trilogie. Moi, j'aurais voulu, en fait, une trilogie avec une histoire du début à la fin sur les 3 films. Je te rassure, c'était pas le cas dans la trilogie originale. Mais c'est pas... Je suis désolé, non, mais non. On le sait très bien tous les deux, mais ils non, ont mais... écrit les scénarios, film après l'autre. Il se trouve, là où je te rejoins, que dans la trilogie originale, ça s'emboîte beaucoup mieux, et ça a donné un truc quand même harmonieux au final, genre c'est une trilogie genre waouh, où tout se répond. Moi j'imaginais, clairement, que soit Rey allait passer du côté obscur, mm-hmm. et là je me serais dit, ok là c'est bon. Là, on arrive à raconter quelque chose de différent, de nouveau, de, okay. de jamais vu, ça aurait été génial, et en fait, ouais mais non en fait... Non, Rey, elle reste du côté clair. Et deuxième chose, moi je me suis dit que peut-être que Kylo Ren allait revenir vers le côté clair. Et tu te dis, ok, bon, ça fait un peu comme Dark Vador, mais pourquoi pas, tu vois. Et en fait, ouais, mais non, en fait, c'est un méchant. Et en fait, c'est un méchant et il va tuer son maître et tout. Tu fais, mais c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve que ça te pose des bases d'un truc et ça va pas au bout, en fait. Et c'est ça que je reproche à travers cette scène-là qui, effectivement, est intéressante. Même si je suis pas hyper fan du combat, pour moi je préfère les combats de la prélogie, tu vois. Pas tous. Bah, moi, j'ai celui de Dark Maul, basta. Les autres, c'est non, de la merde. Non, moi j'adore celui de la revanche des Sith. Voilà. J'adore le combat. C'est de la danse. C'est de la danse. J'adore. C'est 45 minutes de mecs qui remuent des épées. Moi j'adore. J'adore le combat entre Obi-Wan et Jango Fett voilà, sur Kamino. Je trouve que c'est super beau. Okay, voilà. Mais je te rejoins un peu sur le côté. Que cette espèce de moment un peu charnière mène vers quelque chose d'un peu plus audacieux, peut-être à la fin, d'un peu plus traumatisant, que, comme à la façon d'Empire Contre-Attaque. Mais par contre, moi, ce que je trouve qui est intéressant de poser dans cet épisode, clairement, on fait l'impasse dessus parce qu'on est trop occupé à gueuler sur Chewie qui est vegan, qui est hyper intéressant, et j'espère qu'ils vont continuer là-dessus dans le film suivant. Mais peut-être pas, parce que comme tout le monde gueule sur Rian Johnson, ils ont c'est sûr qu'ils vont se rétracter. Ils vont échanger. C'est évident. Et ça va être encore plus un foutoir à cause ça de vous. Mais non, pas à cause tout de ça moi. Parce qu'on n'assume pas la continuité. Alors qu'il faut aller au bout, justement. Non, mais un truc que je trouve hyper intéressant, en tout cas dans celui-là, c'est cette espèce de feeling romantique, en tout cas, entre eux, justement, entre Rey et Kylo. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais justement, c'est là dans le film. Hein. C'est pas. Non, mais c'est commencé. Mais il faut que ce soit continué dans le film suivant. Mais c'est commencé, pardon, c'est compliqué à mettre en place. Là, c'est mis en place enfin, parce qu'il n'y avait rien de tout ça dans le set.
Le truc de la relation entre Kylo Ren et Rey dans le film, moi je trouve ça vraiment intéressant. Encore une fois, c'est un truc que j'ai jamais vu dans les films Star Wars, d'avoir ce truc gentil, méchant, machin, mais on est attiré, on est amoureux l'un de l'autre. C'est effleuré justement, c'est subtil dans ce film, et je trouve ça plutôt bien et hyper intéressant. Voilà, et j'espère qu'ils vont continuer là-dessus, mais évidemment, comme maintenant tout le monde a chié dessus, celui-là, bah. Mais oui, mais c'est con, bah, en ouais, fait, mais on peut pas essayer un truc nouveau, en gros. Mais non, pas du tout. Moi, je trouve que, justement, c'est une des choses les plus intéressantes dans cet épisode-là, c'est la relation et l'évolution des personnages de Kylo Ren et de Rey, où on voit qu'effectivement, là, Rian Johnson, il s'est vraiment intéressé à eux, et c'est super bien. Moi, les scènes où ils se parlent et tout. Et je trouve que, justement, en fait, c'est hyper intéressant, cette relation-là. Et ce climax où il lui dit viens avec moi, et là moi je me suis dit mais vas-y putain, là si elle y va c'est bon, c'est gagné, on a un putain de film. Pas, c'est ça qui est intéressant. Bah ouais, mais il y a aussi un truc dont on est obligé d'en parler, et ça c'est quelque chose qui a vraiment divisé tout le monde, qui a fait enrager les fans plus qu'autre chose, c'est Leia en fait, enfin déjà son sort. Leia globalement. Bah surtout la scène de Leia. Je vois pas ce que tu veux dire. Ah si, tu sais, même toi tu le sais, tu vois. La scène où Leia est éjectée en fait du vaisseau spatial par une explosion, OK, pourquoi pas. OK. Bah. Moi j'ai vu ça, j'ai fait oh putain, ils ont tué Leia. C'est cool, c'est bien. C'est bien. Et en fait, non, parce que Leia elle maîtrise la force, donc Leia du coup, elle se réveille dans l'espace, tu vois, toute frigorifiée, machin. Et elle s'envole et puis elle va retrouver le vaisseau. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Enfin, au-delà de l'idée que je trouve pourrie, pour le coup, moi, c'est l'exécution, en fait, de cette idée-là qui est juste... c'est ridicule, quoi. C'est ridicule, c'est risible, c'est... Là, quand on parlait de faute de goût, ça, c'est une énorme faute de goût. Et c'est con, parce que, tu vois, il aurait juste pu éliminer Leia, et tu fais, bon, OK, c'est pas grave, parce qu'en plus, le destin de Leia, après... elle est dans le coma, bon, ok, elle revient à la fin sans s'en débarrasser, quoi. D'autant plus que là, ils sont dans la merde, vu que Carrie Fisher, elle est décédée. Donc, du coup, il tue Han Solo, Harrison Ford est toujours vivant, il tue Luke Skywalker, Mark Hamill est toujours vivant, mais il tue pas Leia, et Carrie Fisher est décédée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de gros CGI de merde. C'est pas de bol, c'est pas de bol. Ah, bah, c'est juste pas de bol, mais c'est juste une idée de merde. Ce qu'on a fait Rian Johnson de Luke Skywalker, moi j'adhère pas du tout. Et d'ailleurs, Mark Hamill lui-même, c'est vraiment érigé contre Rian Johnson. Pour cette scène de Leia, je vais enfiler ma robe d'avocat parce que je pense que je suis d'accord avec la moitié de ce que tu dis en fait. Mais ouais, je vais quand même défendre cette scène. Parce que je la défends. Parce que perso, je l'aime bien. En fait, perso, je l'aime bien, mais je comprends un peu plus par rapport à plein d'autres scènes je comprends que pour certains ce soit. C'est un Super Leia ou voilà, Mary Poppins. Slayer. Un peu dur à avaler. Ok. Je conçois. C'est pas pour tout le monde. Moi, ça me va. Pourquoi? Je vais développer. Tu dis oui, c'est faute de goût. Non. Alors, je suis pas d'accord. Pour moi, la façon dont c'est fait avec une vraiment. Pour moi, c'est vraiment fait avec une élégance. C'est-à-dire que la façon. Non. Je suis désolé. Au lieu de faire. Non. C'est-à-dire que filmer Leia comme ça, en gros plan, en tournant avec elle. Il y a une espèce de beauté avec les cristaux tout autour. Quand elle bouge le doigt avec les cristaux, on sent l'espèce de force qui bouge autour. Il y a une espèce d'élégance là-dedans, la façon dont c'est fait. Le thème de Leia, qui est un des plus beaux thèmes de Star Wars, qu'on entend trop peu en règle générale. Moi, j'étais, à titre personnel, pour le coup, c'est perso, j'étais hyper content de l'entendre parce qu'on l'entend pas assez, je trouve, dans les films. J'étais genre, ah ouais, putain, c'est trop beau avec ce thème qui commence et tout, nanana. La façon dont c'est montré, c'est-à-dire qu'on part des vaisseaux, on bouge lentement vers ce corps justement qui tourne au ralenti comme ça, il y a une beauté, je suis désolé, vous êtes là, ridicule, attends, on n'est pas devant une scène avec Hulk en 3D qui bondit partout, un truc dégueulasse, on est quand même dans un truc qui est fait avec classe, avec goût, avec une certaine lenteur. Bon, après quand elle se réveille, alors là, faut y croire, faut pas y croire, machin. Moi je me dis, bon, ça fait encore une fois 30 ans qu'on n'a pas vu Leia, on a appris dans Retour du Jedi que c'était une Skywalker et qu'elle avait potentiellement des pouvoirs Jedi. On l'a pas vu pendant 30 ans développer, je m'en fous de l'univers étendu, hein, c'est juste des mecs qui ont écrit des trucs dans leur coin, ça n'a pas d'importance. Pourquoi pas? Qu'elle survive à ça, avec ses pouvoirs Jedi utilisés au max, pourquoi pas? Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, alors ok, faut accepter l'idée un peu délirante d'une espèce de sorcière dans l'espace, qui vole dans l'espace entre les vaisseaux. Faut accepter cette idée. Je suis d'accord, c'est un peu fort. Mais pour moi, excuse-moi, Star Wars,
si c'est pas l'histoire de sorcier de l'espace et si c'est pas la représentation la plus littérale de ça, je sais pas ce que c'est. Après, le seul truc un peu qui me va pas, c'est effectivement c'est mal montré parce qu'elle traverse deux portes, deux sas de décompression et les gens n'en voient qu'une, mais en fait, en vrai, elle traverse deux. C'est juste que c'est mal filmé. Peu importe, ça c'est effectivement de la faute du film. Moi, cette scène, elle me plaît parce que je me suis dit, putain, ils ont des couilles. Tu vois, on dit tout le monde, ouais, Disney, ils osent rien, ils suivent la formule, ils font des trucs, ils font tout ce qu'on attend, ils font tout ce qu'on n'attend pas. En gros, on reproche à Disney tout et n'importe quoi. Donc Disney, c'est toujours le méchant sur qui on tape, c'est jamais personne d'autre, tu vois. Comme si un réalisateur pouvait pas être lui-même responsable de son film. Moi, j'étais content d'être face à un moment hyper audacieux, hyper inattendu et hyper singulier devant un Star Wars. J'ai été surpris à cette scène, alors que j'espérais pas être surpris à ce point-là, quoi. Mais je savais en la regardant, je dis ça va pas plaire à beaucoup. Et je comprends parce qu'on est du domaine du goût, effectivement. Et moi, ça va pour moi. On peut rebondir aussi sur l'univers de Star Wars, enfin, le nouvel univers, l'univers étendu, entre guillemets, que nous propose Rian Johnson, que ce soit dans le bestiaire, que ce soit dans les planètes, notamment la planète Cantobite. J'ai pas du tout, voilà, en parlant de scène, j'ai pas a du tout aimé cette scène, en fait. Je trouvais qu'elle ralentissait le rythme général du film. Je trouve qu'elle est pas très belle. Ce qui est design, je trouve qu'il y a un moment, il y a une créature qui est avec des jetons et tout. Tu fais, elle est immonde, cette créature. Elle est moche. J'ai l'impression d'être dans Harry Potter, mais dégueulasse, quoi. Enfin, tous les personnages, l'espèce de James Bond et tout, tu fais... Ça marche pas, enfin pour moi ça marche pas. Je trouve que voilà, il te fait en plus des plans à la Casino Royale et tout. Tu fais bon, ok, d'accord, j'ai compris le parallèle, tu vois. Pour en revenir au bestiaire aussi, moi les créatures de glace là à la fin, espèce de chacal en cristaux là, je les trouve moches, quoi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où je me disais, bah la production design du film, je trouve qu'elle est. Elle est vraiment pas ouf, quoi. Déjà, dans l'épisode 7, il y avait des moments... le moment, tu sais, avec Han Solo et Chewbacca, quand ils sont poursuivis par ces espèces de créatures rondes, là. Oui, c'était pas très beau. Je trouvais ça dégueulasse. Oui. Et là, c'est un peu la même, quoi. Enfin, je me reconnais pas. Enfin, ouais. Je reconnais pas l'univers Star Wars que je connais, que j'aime, là-dedans, en fait. Pour ce qui est des renards de cristal... Je te rejoins plutôt. Ouais. J'aime bien leur utilité dans le film. Ils ont une raison. Par contre, je suis d'accord qu'ils ont un design peut-être un poil trop japonisant. Ils font très manga. Ça, je te rejoins là-dessus. Sur le design, ouais, j'aime pas trop. Et puis, ils ont une allure très 3D. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord pour certaines bestioles qui sont peut-être en 3D. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut honnêtement accuser ce film de ça quand on a vu les préquels? Non, mais c'est même pas. Absolument, c'est tout pas est fake. C'est pas le fait mais que bon, ce soit okay. En 3D. Moi, dans la préquelle. Moi, dans la préquelle, il y avait des créatures que je trouvais immondes, hein, genre Dex, affreux, quoi. Enfin, pour Cantobite, bah moi je trouve cette scène cool. Bon, déjà je trouve une certaine utilité. Je suis d'accord que c'est pas mon passage préféré du film, attention, parce que je trouve que c'est effectivement pas forcément le plus intéressant. Je trouve qu'il est utile globalement au film. Mais j'étais content de voir à quoi pourrait ressembler un casino dans une espèce de planète friqué de Star Wars, pourquoi pas. Je trouvais ça assez beau, j'aimais bien la nouvelle musique de John Williams pour cette scène, je trouvais ça vraiment sympa. La planète, elle est super belle, une espèce de ville au loin, machin. Quand il la traverse lors de la poursuite, pareil, la poursuite, c'est pas ma scène préférée, mais quand il traverse la ville, il y a quelque chose de beau quand même, il y a quelque chose de recherché, de nouveau, de frais, de Star Wars que j'ai jamais vu avant. Moi, je vais rebondir très vite aussi sur la musique, que... je trouve que, bon, peut-être aussi qu'il est très âgé aussi, qu'il est fatigué, qu'il a tout donné déjà pour le cinéma, mais dans le 8, je trouve qu'il est très peu inspiré, John Williams. Et c'est un constat, hein, c'est comme ça, et je trouve que du coup, le film pâtit aussi de ça, quoi, parce que ce qui fait la force des Star Wars, et même... ce qui fait la force de la prélogie, c'est sa musique, hein, parce que la scène de Duel of the Fates dans l'épisode 1, elle est merveilleuse grâce à la musique, en fait. Et voilà. C'est ce qui a porté aussi la trilogie originale. C'est, je veux dire, oui. Quand tu repenses à la scène où Dark Vador il est dans l'exécuteur, il regarde l'espace et tout, et t'as la musique, la marche impériale, c'est ça qui fait que le film qui ne vieillit pas, qui reste dans le temps, enfin, c'est grâce à ça aussi. Et là, du coup, le fait que la musique soit en deçà, même si, ok, il y a des nouvelles idées, peut-être sur Cantobite, machin... Plus que ça, il y a des nouveaux thèmes. Ouais, mais ils sont un peu loin, je trouve.
Je suis d'accord. De toute façon, il y a quelque chose de triste toujours avec les compositeurs de musique de film, c'est que souvent, en vieillissant, en fin de carrière, ils sont forcément moins inspirés. Et c'est... John Williams ne fait pas exception. Ça fait quand même très longtemps qu'il compose, ouais. Et il en a quand même sorti des putains de thèmes. Ouais, donc, ouais. Qu'il soit un petit peu à sec maintenant, bah, on lui excusera quand même, ça ira. Tu vois. Mais je suis assez d'accord que ce n'est pas la BO la plus... Voilà, il y a peut-être le fait que le film aussi ne l'intéressait peut-être pas, ouais, plus que ça. Alors, enfin, le fait de repartir sur une trilogie de Star Wars. Encore une fois, il a trouvé le moyen d'être inspiré pour les préquels et pas pour... Voilà. Ouais, donc, parce c'est que peu... c'est peut-être plus ami avec George Lucas, ouais, que les autres. Hein, tu vois. Je pense que c'est aussi ça. Hein. Je pense que la BO des derniers Jedi, comparée aux BO de tous les films cette année... Ouais. Malgré tout, ah, oui. C'est une des mieux. Toi, malgré tout, c'est pas un total fumiste. Non, Williams, non, et il va toujours sortir une puissance orchestrale. Oui, il y a toujours quelque chose à sauver. Voilà, de... alors qu'on voit les trucs de Giacchino qui arrivent et qui va sûrement le remplacer ensuite, ça va pas être la même, ouais, la même fête. Alors, ouais, que lui est jeune et lui est normalement dans la force de l'âge. Mmh. Et voilà. Alors, pour plus ou moins terminer, juste il y a quelque chose sur lequel un point sur lequel on n'a pas parlé, et là par contre c'est quelque chose qui moi me déplaît énormément, et ce qui va permettre aussi de plus ou moins de conclure en fait sur l'univers Star Wars, la suite machin, et puis Disney quoi. Ce qui m'a fortement dérangé en fait, et ça dès le début, c'est l'humour en fait. L'humour dans Star Wars et la manière dont c'est employé. Alors, il y a toujours eu de l'humour dans Star Wars, quand tu vois Han Solo qui fait des vannes et tout, il y a toujours eu ça. Les robots aussi, l'humour, oui, des robots. Oui, bien sûr. Voilà, oui, et il y a même eu, malheureusement, de l'humour dans la prélogie, qui n'est pas sûr. Ouf. La différence, en fait, dans cet épisode-là, c'est qu'on arrive à une sorte de, ce qu'on appelle un humour méta, en fait, qui rit, en fait, du matériau, en fait. Et un truc qu'on retrouve quasiment dans tous les films actuels, dans tous les films de franchise, dans tous les blockbusters, dans les films Disney, voilà, dans les Marvel, machin. Et moi, c'est quelque chose qui me fait chier, parce que du coup, en fait, ça te nique des scènes, en fait, où potentiellement il peut se passer vraiment un truc émotionnel, que ce soit la scène où Leia retrouve Luke et lui dit, où tu te dis, putain, ils se sont pas vus depuis des années, machin, et lui dit, ah ouais, j'ai changé de coiffure. Je fais, non, putain, non, ça désamorce le truc, c'est débile, c'est débile. C'est pas le pire, ça, mais... La première scène avec allô, je vous entends pas, allô, je vous entends pas, tu fais, putain, mais s'il vous plaît, enfin, c'est quoi, c'est une morte de merde, enfin, je voudrais juste rajouter un truc avant de te laisser parler. Il y a un truc où je suis très heureux, en fait, c'est de voir que, ok, comme le film a fortement divisé et qu'il y a plein de gens qui se sont dit « moi, je boycotte Star Wars, machin », comme Han Solo n'a pas marché en salle, enfin, n'a pas marché si bien que ça, du coup, là, Disney va ralentir la production du film Star Wars. Et je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle, parce qu'il y a un côté où on commence à s'en prendre tous les ans. Là, ça aurait été deux films par an. Ça va, enfin, il y a un côté overdose, quoi. Et même s'ils vont faire deux séries, ils vont relancer deux autres trilogies et tout, j'espère, moi, qu'ils se sont pris ça dans la gueule et qu'ils vont se dire, ok, on va faire attention maintenant. Qu'est-ce que tu penses de l'humour dans Star Wars épisode 8 ? Alors, pour le coup, je vais quand même un peu te rejoindre, effectivement. Bon, c'est un des trucs, moi, effectivement, qui me fait baisser mon appréciation de l'épisode 8. Je trouve effectivement que l'humour est pas toujours bien placé, il est un peu méta, effectivement, il est un peu moderne. Alors, quand ça me fait marrer, il y a des trucs qui m'ont quand même fait un peu marrer, pour le coup, donc ça marchait, donc je me disais, bon, c'est pas vraiment l'humour Star Wars, mais ok. Et d'autres où, effectivement, ça tournait un peu trop en ridicule, des trucs où on devrait être sérieux, quoi, on devrait être un peu impliqué. Donc là, je suis un peu d'accord, c'est les trucs, moi, qui, effectivement, baissent mon appréciation du film. Après, l'humour, il n'y en a pas tout le temps. Il y a aussi de l'humour Star Wars dedans, c'est-à-dire de l'humour de situation avec des petits robots, des machins, des trucs qui restent de l'humour Star Wars. Quand tu regardes les premiers Star Wars, il y a un côté, on y croit, quoi. C'est l'aventure, on y croit. Il y a des moments de déconne, il y a des moments un peu délirants, mais souvent internes, on n'est pas trop dans un recul. Mais voilà, là, c'est ça. Ouais, là, ça crée un recul qui n'est pas forcément toujours bienvenu. Et là, s'ils arrivent un petit peu à se débarrasser de ça, là, ok, là, je serais plutôt content. Moi, j'ai vu Han Solo, je le trouvais pas si mal, perso. Tu ne l'as pas vu. Non, je l'ai pas vu, je peux pas dire. Je boycotte Star Wars depuis Star Wars 8. Mais effectivement, alors, moi, ce qui me fait chier là-dedans, c'est qu'il y a ce côté un peu peureux de Disney de faire oula, le film marche un peu moins bien. On n'a pas fait 3 milliards comme d'habitude. Mince, il faut absolument annuler tout. Calmez-vous, vous avez le droit de faire des films
qui fonctionne correctement. Vous n'êtes pas obligé de faire des cartons systématiques. Et pareil, hein, pareil au niveau des fans, hein, on n'est pas obligé de voir forcément un chef-d'œuvre à chaque fois. On peut avoir des films ok, sympas dans l'univers Star Wars qui se déroule aussi. On en a eu aussi avant. Voilà, je vois pas pourquoi on s'arrêterait là. Par contre, le bon côté, c'est s'ils consacrent plus de temps à l'élaboration des films, à l'écriture, à un côté un peu plus reculé, à de l'écriture, de la réécriture, de la ré-réécriture, pour vraiment bétonner un peu plus le truc et l'univers, ça, pourquoi pas. Oui. Ça, par contre, je suis d'accord. Ça, c'est vraiment l'avantage qu'on peut en tirer. Pour ce qui est des spin-offs sur chaque personnage, machin, qu'ils avaient prévu de faire, je sais pas s'ils les font encore. Moi, pourquoi pas. C'est-à-dire que moi, je me considère aussi un fan de Star Wars, mais surtout des films Star Wars. Donc moi, plus il y a de films Star Wars, même des moyens, même des... Voilà, maintenant qu'il y a eu les préquels, pour moi, on peut difficilement faire pire, et même si on fait pire, bah tant pis. Mais qu'il y ait des films Star Wars, moi, ça me ravit, parce que c'est un univers que j'adore. Donc voilà, il y en aura des bons, des moins bons, des... Voilà, mais moi, je vais pas dire, non, arrêtez, Star Wars, j'en ai trop. Non, c'est bien. Par contre, faites-les bien. Voilà, essayez au moins de les faire bien. Donc, qu'ils mettent un peu plus de temps entre chaque film, ça, c'est pas plus mal. Voilà. Mais justement, en fait, je voudrais juste rebondir vite fait sur ce que tu viens de dire, que je trouve très juste. En fait, pour moi aussi, là où c'est impossible, en fait, qu'ils pondent des chefs-d'œuvre, c'est impossible, impensable ouais. même, pour la bonne et simple raison que Disney a un calendrier de films et que les films sont faits en très peu de temps. Et je veux dire, quand tu penses au temps qu'a mis George Lucas à faire ne serait-ce que le premier Star Wars, puisqu'il a peut-être mis 2 ans pour l'écriture. Ouais, mais c'était pas si long. Hein. Mais il a quand même mis 2 ans d'écriture. Oui. Il était seul. Ça raconte. Et il y a pensé. Enfin, c'est un truc qui a en lui depuis très longtemps. Donc, c'est un truc qui a mis des années à maturer. Et là, en fait, c'est juste un mec qui reprend le flambeau tenu par un autre gars qui a essayé de faire du mystère, machin, qui plaît pas, machin, et qui doit pondre un scénario en peut-être même pas 1 an. C'est clairement, ce n'est pas possible de faire des grands films dans ces conditions-là, ce n'est pas possible. Et du coup, pour moi, en fait, c'est la machine Disney et la machine à blockbusters qui fait que, clairement, le niveau est pas ouf, quoi. Ouais, mais petite anecdote sur justement là-dessus, c'est pour l'épisode 7, moi j'avais appris à l'époque qu'ils étaient. Ils ont réécrit le scénario au milieu du tournage, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible, enfin, Star Wars, vous avez un truc aussi important que Star Wars dans les mains, c'est pas possible, vous faites pas ça, prenez le temps, prenez le temps qu'il faut, mais vous rushez pas comme ça vers un truc qui demande justement du travail. Et ça m'avait un petit peu fait peur à l'époque, et à raison, parce que effectivement il y avait des trucs qui allaient pas dans le fond, quoi. Donc effectivement, prenez le temps, quoi. Avant il y avait 3 ans entre chaque film, maintenant il y a 2 ans entre chaque film, donc ils ont dit ouais, c'est bon, un an en moins. Non, utilisez bien ces 3 ans pour faire le film, même si moi je veux qu'il y ait plus de films, mais voilà, prenez le temps, quoi. Prenez le temps, ça c'est cool. Et pour rebondir aussi sur ce que tu dis, moi je serais plus de l'avis, parce que moi aussi j'adore Star Wars, j'adore l'univers Star Wars, et voilà. Et évidemment, moi, quand on me dit il va y avoir d'autres films avec qui vont montrer d'autres personnages, d'autres univers, pourquoi pas, s'ils sont bien faits. Moi, les projets de séries de Disney m'intéressent plus que les projets de trilogie, tu vois. Clairement, ou la série Mandalorian de Jon Favreau, là, je trouve que ça a l'air beaucoup plus intéressant. En termes d'histoire, en termes d'univers étendu, machin, que le Star Wars épisode 9, parce que là, clairement, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont en faire. Mais n'est-ce pas une bonne chose? Moi, c'est ça que j'aime avec le 9, c'est que j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire. Bah, c'est très bien. Parce que je ne sais pas où ça va aller. En tout cas, moi, j'irai pas le voir. Ah bah, voilà. Non, un fan qui ne va pas voir les films. Ouais, mais voilà, moi, clairement, mais moi, j'ai été déçu et par Rogue One, déjà, et par Star Wars 8. Et Han Solo, je ne l'ai pas vu, mais je suis sûr que c'est pas un... À tort, parce que c'est un film très correct. Oui, c'est correct, mais c'est pas un film qui va me faire vibrer, tu vois. Ah, mais tant pis. Ben voilà. On peut pas faire un chef-d'œuvre à chaque fois, on peut faire des films corrects aussi, Star Wars. Ouais, mais moi, je demande pas qu'on fasse juste des films corrects, vu le pognon impliqué. Je veux dire, quand un film coûte plus de 200 millions de dollars... Je suis en droit, moi, ce spectateur, de demander à ce qu'on fasse un film incroyable, ce qui est normal. En tout cas, en ce qui concerne la série, ça m'intrigue fortement, parce que ça fait longtemps qu'il est question de faire... Oui, ça fait très longtemps, et George Lucas voulait le faire, en plus. Et donc, ça m'intrigue de voir à quoi ça ressemble, mais ça m'excite un peu, parce que... Voilà. Mais comme j'ai ce truc par rapport aux séries télé en général, où j'ai peur que ce soit un peu
un peu médiocre, un peu fadouille. Voilà, je m'attends à trouver ça. Alors, c'est-à-dire que qu'est-ce que t'as par rapport aux séries de télé, en fait? Ouh là là, ça, c'est un tout autre sujet, très très long. Mais globalement, voilà, c'est que je trouve que les séries de télé prennent trop de temps pour raconter un truc court et, D'accord, et avec beaucoup trop de fadeur et pas assez d'audace, pas assez Ouais, pas assez de singularité, pas assez de signature personnelle de réalisateur. Je trouve souvent c'est le vrai problème des séries télé. Et moi, j'ai peur de retrouver ça, Star Wars. Déjà que c'est déjà un peu le cas des films. Bah voilà. Un peu... bah non, voilà. Mais c'est déjà un peu le cas des films, mais j'ai peur que ce soit pire. Ouais. Tu vois, toi qui fais « Ah, ben, pas assez », bah, là, tu vas être servi, quoi. Tu vas être encore, plus détesté. Ah, mais comme ou pas, c'est de la série, et c'est John Favreau, why not, ouais. Voilà, mais comme c'est de la série, tu peux... j'ai envie de dire, la série, c'est un... À tort, peut-être que je me trompe, mais c'est plus excusable en fait de faire épisodes dégueulasses. Ouais. J'ai pas que ça à foutre, moi, de mater. Bon, Attends, oui. Un épisode dégueulasse plus un épisode dégueulasse, ça fait que tu te retrouves à regarder 20 heures d'épisodes dégueulasses, alors qu'un film, bon, bah, 2h30, tu disais, oh, 2h30, c'est long. Bah, c'est que 2h30. Une série, une saison, c'est 20 heures. 20 heures de merde. Voilà. 20 heures de merde par rapport à 2h30 de merde. Voilà, c'est quand même différent. Ouais, mais. Moi, je vais au cinéma, j'ai des exigences. Ouais. Et si mais ça ne correspond aussi. Pas à mes exigences, bah, du coup, je vais plus comme je n'irai pas voir donc, Star Wars 9. Okay. Sauf si on m'y oblige. Mais après, ça peut être nul aussi, évidemment. Hein, le 9, hein, je ne dis pas, mais tu rattrapes peut-être rien. Ouais. Enfin, bref. Nous verrons. En tout cas, merci d'avoir regardé cette longue émission. Nous, on est très contents d'avoir pu évoquer avec vous ce sujet brûlot de Star Wars 8. Voilà, vous ferez votre avis. De toute façon, vous avez sûrement vu le film. Hein. Si vous regardez la vidéo, vous l'avez vu puisqu'on a pas mal spoilé comme des porcs. Sinon, désolé. Voilà, sinon, regardez pas. En attendant, merci Descartes d'être venu défendre ce film donc de Rian Johnson. Et pour le prochain épisode, je ne sais pas de quoi on parlera. De quel film, j'en sais rien, je ne sais pas qui sera l'invité, mais on improvise, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur la chaîne Back to the Sable, donc n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et puis on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir et joyeux Noël. Et joyeux Noël. Bisette. Salut.